Je me réveille. J'ai du mal à me remettre de la soirée d'hier soir. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Ouais, jouez les gars là. Je devais faire un truc aujourd'hui, mais je savais plus quoi. Tu vas sûr ce soir? Je savais pas de quoi il parlait, mais j'ai répondu. Bien sûr. Ok, bah sors alors. Ça marche. Du coup, j'ai repensé à tous les trucs importants que je devais faire. Changer l'eau de l'aquarium, aller chercher ma petite soeur à l'école. Je savais toujours pas, alors j'ai rappelé mon pote. Mais il y avait un problème de réseau. Votre qualité de communication est fichée, vous n'avez plus un cadal. La danse est bien. Il faut zooker maintenant. Famille des tibodes. Waouh! Du coup, ma petite soeur m'a prêté son téléphone. J'appelle mon pote et je lui dis. On se donne rendez-vous. Il m'a bien couillé. Eh, hey, mon forfait. N'oublie pas ta place, hein. J'avais aucune idée de quoi il parlait, mais j'ai répondu. Bah ouais, normal. Heureusement, je range tout dans ma chambre. J'ai décidé de l'appeler pour tout lui avouer. Mais avant même que je puisse parler, il m'a dit. Eh, hey, au fait, c'est moi qui ai ta place. J'avais envie de l'insulter tous les noms, mais je lui ai dit. Non, c'est cool, mais je savais. Je savais toujours pas de quoi il parlait. Tu m'as mal à aller chercher un verre d'eau, s'il te plaît. T'es là. Alors, j'aurais dit à maman que t'es pas parti me chercher de l'école. J'ai décidé de lui rendre ce service. Après tout, c'est ma sœur. Je suis vraiment trop con. Bref, j'avais un truc à faire aujourd'hui. Maintenant, c'est le que dit la petite soeur. Mais tu te fous de moi encore. Regarde-moi, tu es... En plus, tu te sauves bien. Reste ici, là, tu accroches.